girl really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see it shine. Ok, alors pour faire simple, il y a un abonné, donc Wardoxy, qui m'a envoyé un message Discord qui me disait « J'ai fait une map il y a longtemps, je veux savoir si vous la tester en vidéo, c'est apparemment une map rage, voilà, restez en game mode 2, bref, voilà, donc apparemment c'est une map rageante en 1.12.2, mets le pack et la map, j'ai mis le pack, j'ai mis la map, regardez-moi ça, ressources pack, j'ai le pack, alors, du coup j'ai rejoint de la map, c'est comme ça, j'ai touché à rien vraiment, je suis en 1.12.2, je suis sur sa map. » Et on va regarder ça, j'espère que ça va être bien comme vidéo, j'espère vraiment, parce que moi j'adore ça, vraiment c'est un truc que j'adore faire, voilà, des maps comme ça, surtout des maps rageantes et tout. Voilà, il l'a pas créé pour moi, mais il l'a créé, il m'a proposé de la faire, donc bah du coup ça me fait super plaisir, enfin vous avez compris quoi. Déjà on a un scoreboard en fonction des morts, donc Wardoxy qui est le créateur de la map a fait 666 morts, JTube qui a testé la map a fait 42 morts, Michel a fait une mort. Normalement vous entendez le son et d'après ce que j'ai vu quand j'ai rejoint, ça fait un gros bruit en mode comme si j'avais perdu, donc je pense qu'il risque d'avoir des gros bruits si je perds. Donc on a deux boutons en fait. J'ai commencé, j'étais comme ça, du coup je pense que c'est lui. Oh, je sais pas ce que c'est. Bonjour joueur, je vois que tu es venu souffrir, génial. Je te donne une chance de partir. Si tu fais un pas, tu vas souffrir. Bah je fais pas un pas alors. Bah du coup je reste là. Ah non mais non. C'est son truc hein, si je fais un pas je vais souffrir. Je crois que tu m'as pas compris, j'aurais pu être veux-tu rager, kid. Refais un pas, un seul si tu l'oses, ok. Ouais, en gros ça va s'ouvrir petit à petit quoi, en gros. Je suis désolé d'avance. Non, j'ai rien fait, je suis gentil. Non. You're gonna have a bad time. Ah. Ok. Alors. Déjà là, c'est joli. Alors, unfair TNT. Pourquoi il y a une tête ici? Alors. Si la zone ne se recharge pas, fais slash kill. Ah, il n'y a pas un truc 12 de render distance minimum, active le son. Ça, j'ai pas regardé la render distance. Alors déjà, on a du bruit de lave. Ok. Je sais pas si le son est trop fort. Normalement, non, normalement le son du jeu devrait pas être trop fort pour vous. Vous devrez l'entendre, mais ça devrait pas trop vous gêner. Ah, c'est marrant ça. Ok, donc si j'ai bien compris. Non, j'ai pas compris, ok. On va passer par là. Je peux pas non plus passer, c'est pas une bonne idée, non. En fait, c'est juste le fait qu'on puisse pas respawn instantanément. Oh, mais ça m'énerve, mais à un point. Mais on va juste pouvoir passer en fait. Ah, peut-être qu'il suffit juste de sauter. Je sautais là, peut-être. Là, là, là. Non. Ne parlons pas de ce qui s'est passé. Ah, je sais pas où je peux. Ah, attends, il m'a dit un truc, si t'es bloqué, regarde partout dans ton inventaire et tout, machin, clique partout, fais plein de trucs. On va faire ça. Je suis bloqué le premier truc. Peut-être on peut passer par là. Non. Clique partout. Je clique partout. Je sais pas, il y a un command block là. Faut pas que je clique sur les boutons. Là-bas, il y a des trucs. Je ne sais pas. Alors. Je sais pas, comme ça. Non. Ok, réfléchissons. Comment je suis censé faire? Non, mais en fait, faut savoir qu'à chaque fois que je meurs, en fait, je vais devoir recommencer ici. Donc, ça, j'espère que c'est simple quand même. Non. Là, non, j'ai rien, j'ai aucune. Je peux pas. Je suis vraiment si nul ou ça se passe comment? Unfair TNT, c'est-à-dire qu'il faut utiliser la TNT, je sais pas. Là, je peux passer par là, je suis sûr qu'on peut faire un truc là. Là, attendez, on va tester. Non, ok. Tu vois, je suis sûr, là, il est en train de voir la vidéo, il comprend pas. Là vous voyez, j'ai 10 morts déjà, je crois que je ne sais pas toutes laisser au montage. Ou peut-être que si, mais je pense que ça, il y aura beaucoup trop de morts dans cette vidéo. On va tenter lui, j'avais déjà essayé, mais... Comment je suis mort? Bon, déjà, on est sûr, faut pas passer par le pont, je pense. Y'a quoi, là, le bouton du command block? Je devrais pouvoir appuyer dessus, mais j'ai rien. Peut-être qu'il y a un bouton sous la map. Parce que s'il n'y avait pas les blocs là, les blocs invisibles, j'aurais pu marcher comme ça, mais là je peux pas, non. J'ai déjà essayé, ça sert à rien. Peut-être qu'avec le son, je peux avoir accès à des informations privées. Sûr que le. Je sais pas moi, la solution. Ah, il y a un truc. Merci Minecraft d'avoir reset ce chunk. Ouais, mais ça m'aide pas en fait. Il m'a dit clique partout. Je clique partout. Peut-être si j'y vais en sneak. Non.
Il m'a dit essaie, cliquer, sauter partout, avancer en sneak. Peut-être si j'avance en sautant en sneak. Non. Ouais, j'adore ma vie. Ouais, respawn. Haha. Haha, ça marche en plus. Haha. Ouais, allons chercher une solution. Haha. 12 de rendement de distance, ça veut dire 12. Il y a combien de blocs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10. 10 moins, donc 12 moins 10, ça fait 2. Ce qui veut donc dire que là, il y a 2. Et que donc là, il y en a 2 et 2, ça fait 4. Non, ça ne m'aide pas. Ok. Non, par contre, je suis vraiment mauvais ou c'est... Non, parce qu'en plus, Titube, il a fait en 42 morts. Là, le testeur. Moi, j'ai fait en 40 000 morts, en fait. Ah, sur les barrières. Là, dehors, sinon. Là, sinon, sauter partout. Genre, en mode, un endroit, je vais pouvoir marcher, je sais pas comment. Non, non, non. Peut-être faut juste avancer au milieu. Passe à droite comme ça. Je suis sûr que je vais quand même mourir. Là, juste si je passe sur ces blocs-là, je décède. Comment je suis censé faire? En sneak, j'ai déjà essayé de passer en sneak. Si jamais je fais ça. Juste actuellement, est-ce qu'il y a des gens, les gens qui regardent la vidéo qui auraient compris comment faire? Ça se trouve pas du tout. Mais juste là, les gens qui regardaient, qui ne connaissent pas la map, dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à ma place. Parce que je sais pas, je pense que j'ai tout essayé en fait. Mais non, j'ai pas pu tout essayer parce que sinon j'aurais pu passer. J'ai vraiment interdiction de passer par là. Hein. Et quand je passe par là, ça fait pas la lave. Ce qui veut dire que je peux passer sur les côtés, mais je sais pas comment. Il y a vraiment, si je passe sur les trois blocs là, je meurs. Même si je saute. Par contre, si je passe par là, je meurs pas. Mais je peux pas sauter sur ce bloc, quoi. C'est un faux bloc. Ah, depuis le début, j'arrête pas d'envoyer des messages privés au créateur de la map. Hein. Ah, faut qu'il me réponde là. Il m'a dit, et je te donnerai pas d'indice. Eh bah, ben, si, tu m'en donnes, s'il te plaît. Réfléchissons. Pourquoi il y a des plantes ici? Le bloc d'or, on peut rien faire avec. Hein. J'ai tout essayé. Je suis sûr que je suis passé à côté du truc. Ou alors j'ai déjà essayé et ça n'a pas marché, je sais pas. Là, y a pas un bouton quelque part. Eh oh, s'il vous plaît. Peut-être que j'ai cliqué sur le mauvais bouton au début et que là je peux que mourir. Non, je pense pas, je sais pas. Je vais quand même retenter de prendre mon élan. Je passe à droite, j'ai déjà essayé. Minecraft grass. Minecraft wooden slab. Wooden slab, wooden slab. Log. Log. Barrière. Champignons. Mais c'est trop. Ça fait 26 morts. Je les ai pas du tout toutes mises dans la vidéo, je pense. Parce que ça fait 45 minutes que. Ça fait plus de 50 minutes hein, que je les suis. Voilà. J'ai réussi à avoir un bug. J'ai des têtes. Bon, ça m'aide pas les têtes. Non, ça m'aide pas. Est-ce que je peux. La mettre là. Et ça active les commandes blocs pourris qui me font mourir. On pourra faire des tests là où il y a des barrières. Ouais. Ah. Tuk. 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 Alors déjà quand on meurt, la musique a fait 5 notes. 5. Faudrait que je regarde quelles sont les notes pour regarder la fréquence en hertz. Peut-être ça pourrait m'aider, je sais pas. 1, 2, 3, 4 et cinquième bloc, on meurt. Ok, ça je savais déjà. Ça m'aide pas. Mais il y a un truc avec le bloc d'or ou pas? Non, c'est vraiment juste pour que je respawn. Hein. Je pense qu'il n'y a rien. Là, il y a un bloc invisible. Là, il n'y en a pas. Sauf qu'il y en a toujours un là. Mais en gros, je peux aller là. Regardez. Là, je suis bloqué ici. Là, je peux pas aller plus. Et là, je peux y aller. Allez, vous voyez. Est-ce que ça m'aide? J'espère. Je viens de trouver un truc. Alors, attendez. Faut qu'on regarde ça. C'est lequel? C'est lui. Donc, de l'autre côté, est-ce qu'il y a le même déjà? Non, de l'autre côté, il n'y a pas le même. Donc, c'est peut-être une erreur. Non, c'est pas une erreur. C'est vraiment la solution. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le 7e. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le 7e. Non. Quand tu te rends compte que tout ton plan ne marche pas. Et 6, donc celui-là qui est là, peut-être. Non. Alors, déjà là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans ce sens-là, il n'y a rien.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut y aller. Non, vraiment, je sais pas si vous arrivez à comprendre. Là, je peux pas avancer. Et là, hop. Ce qui signifie que peut-être de l'autre côté. Non. Déjà, si je peux y accéder. Ça veut dire qu'il n'y a aucun bloc là. C'est-à-dire que je peux cliquer là si jamais il y a des trucs. Déjà, il y a une fleur. Vous voyez, ça alterne. Fleur, champignon, fleur. Champignon. Fleur, champignon, fleur. Champignons, fleurs, c'est-à-dire que les fleurs représentent le mal et les champignons du coup représentent le bien. Donc si je me mets sur le champignon là, ou du coup celui qui est là, ça signifie que il y a quoi là? Il y a 8 blocs entre là et là. 7, parce que celui-là c'est le 6ème, non 6ème. 6 plus 8, ça fait 14. 14, c'est plus grand que 12, ok, ça on s'en fiche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est celui qui est encore plus là-bas là. On devrait y avoir accès. Et... Bonjour. Dans Uncharted, il y a combien de lettres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plus un espace, on va dire 8 ou 9. Dans Byward aussi, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ou 11 si on compte les espaces. 8 ou 9 et 10 ou 11. Ça fait rien. Dis Siri, quelle est la réponse à cette énigme? À quoi bon? Rien ne vous échappe, Sherlock. Je veux dire multicore. Tu ne m'aides pas. Bon, j'arrête pas de spammer Wardoxy et il me répond pas. Donc je vais devoir me débrouiller sans lui. Je pense que cette vidéo, je peux vous dire déjà à l'avance, elle sera faite en plusieurs jours pour moi, mais une seule vidéo, qui risque d'être très longue. Il a des lunettes. Il a une bouche. Je sais que sur sa bouche, ça sert à rien. Déjà, il y a deux règles, apparemment. Deux, comme le chiffre. Combien font 666 divisé par 42? Ça fait environ 15,8571. Non, ça m'aide pas non plus, je crois. Ah non, j'y étais! Ok, alors ça a avancé, ça a avancé. Ce qui se passe, c'est que si je touche ces blocs-là, je meurs, mais si je passe par-dessus, je ne meurs pas. C'est quand je vais toucher les blocs derrière que je vais mourir. Il y a de fortes chances que quand je touche ces blocs-là, je ne vais pas mourir. Donc si j'arrive à sauter d'ici et à atteindre directement le bloc-là, il y a des chances que je ne meure pas. Déjà, faut savoir qu'il a mis pris le protection de Taple, le youtubeur. Je sais pas comment on prononce son pseudo, hein. Taple. Taple. Qu'est-ce que ça pourrait signifier? Il y a combien de lettres? Taple, ça fait 4 lettres. 4 lettres. Et quoi, 4 comme quoi? 4 comme 1, 2, 3, 4, 5? Non, c'est pas 4 comme 5. Ok, envoyez un message à Ch'titube le testeur. Je suis sur la map de Wardoxy. Aide-moi, je trouve pas le pont là. Je viens d'envoyer un message de détresse à Ch'titube, qui était le testeur de la map. Donc normalement, s'il a testé la map, c'est-à-dire qu'il l'a fini. Ou alors sinon, il est mort là. Je vais bientôt le dépasser en mort alors que je n'ai toujours pas avancé. Oh, il y a un panneau là-bas. Qu'est-ce qu'il dit le panneau? Attendez, c'est important. Fort, réel, suscite-toi. Pour, réel, suscite-toi. Avec un smiley qui a la bouche ouverte. Pour, reset, suscite-toi. Ok, là-bas il y a un panneau aussi, il y a marqué pour, reset, suscite-toi. Moi je suis vraiment fort. Tout, 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 tout. Bon, la seule autre personne qui pourrait m'aider, ce serait Michel. Je vais donc le contacter. Allô Michel? Allô, allô? Allô, allô? Allô, 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 allô? Non, désolé pour vous, il répond pas. Bon, je suis à autant de morts que Ch'titube. Faut pas que je me fasse battre par Ch'titube. Faut que j'arrive à trouver? Faut que j'arrive à trouver. Mais comment il a fait? Faut que je me dise, à la place de Ch'titube, qu'est-ce que j'aurais fait? Je suis une pastèque. Oh, je n'aime pas le feu. Là, la première fois, il essaie, mais il tombe, il fait, ah, c'est marrant ça, je suis tombé. Mais il y a une autre alternative. Par exemple, si je passe là, ça va pas marcher. Si je passe. Je sais pas. Je suis tombé sur une vidéo de Fourge Jumper. Comme s'il y avait une TNT en dessous le coffre. Ça, on connaît, tu vois. Ok, alors là, on est. C'est Fourge Jumper, le troller. J'espère que vous allez bien. Ça, vous allez. Je suis juste stupide en vrai. Je suis sûr, je suis juste stupide. Ça fait une heure que j'y suis. Là, vraiment, je dis pas pour deux. Ça fait une heure que je suis et j'ai pas trouvé en fait. Ok, il vient de donner un indice. Clique partout sur le sol. C'est pas comme s'il avait fait attention des replays au moment où je l'ai fait. Je vais pas faire ce montage parce que j'ai pas que ça à faire. On clique partout, ok, on va faire dans l'ordre. Tout 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 tout
Je vais faire tous les blocs. Ok, clique partout. Ici, 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 là. Clique sur le mycélium au tout début, droite avant le pont. Ok, alors attendez. Là ? Ah, en droite. Je ne même pas me droiter ma gauche. Au tout début, droite avant le pont. C'est-à-dire ? Là ? Ah ! Ah ! Mais c'est... Je... Ah ! C'est à cause des plantes en fait, quand je clique par terre, bah ça clique sur les plantes. Ah! 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 Mais c'est. Non, mais ça fait une heure que je suis sur ça. Oh, oh là là! Mais non, mais je faisais des théories du complot. Ah, ça brûle. Ah, s'il vous plaît, respawned. Ok, là, le mycélium qui est là, faut cliquer dessus. Mais pas se mettre là, parce que si je clique là comme ça, ça marche pas parce qu'il y a la plante. Faut donc que j'aille comme ça. Voilà. Ensuite, plagiat. Oh là là! Ok, ça faut que je me souvienne, faut que je me souvienne comment faire. Une chance avec un arc. Oh, le timing était parfait au moment où je vois le Mathieu. Je... Oh, c'est génial! Pourquoi? Mais je suis mort. En fait, ils ont voulu me faire croire que j'étais mort, mais en fait, je suis pas vraiment mort. En fait, fallait que j'aille dans l'eau, mais ça, je savais pas. J'avais vu qu'il y avait de l'eau, mais bref, c'est pas ça! Ok. Je suis sûr que je t'ai tubé la tricher. Hein. Là. Pas comme ça. Là, on fait comme ça. Yes. Là, on clique. Je suis sûr si je vais sur l'herbe, ça fait quelque chose, non? Alors, on va continuer. Non, on peut pas continuer. Ok. Voilà. Bon, je sais pas. Est-ce que je suis un bon endroit ou pas? Si on l'arc, on le renomme. Ah, ok. Quoi? Là, faut que j'aille dans l'eau. Quand j'avais commencé, ok. Tuk. Là, je vais dans l'eau. Je sais pas ce qu'il faut faire. Bon, pire, si je me fais tuer. Non, je pense que je vais pas me faire tuer, je vais me mettre. Je pense que c'est une bonne méthode. Alors. Non. Je sais toujours pas comment je fais pour activer le dans le ciel. Hein. Faut juste que j'attende en fait. Ou alors faut que j'aille là. Je pense. Non, c'est vrai. Faut que je choisisse. Lequel bouton? Celui qui est là, genre je devrais tirer depuis le ciel. Non, ça m'étonnerait. Ce serait pas si simple. C'est pas si simple. Celui-là, j'ai déjà essayé, c'est pas lui. Celui qui est là, vous êtes sûr? Quoi? Si je meurs, je sais pas comment y retourner, donc... J'ai tiré ma flèche là. Peut-être faut juste attendre. Aucune idée. Ok, il y a des coffres. Je suis sûr qu'il y en a un des deux qui va me faire tuer. Noob. Voilà, ensuite je pense qu'il faut du coup il faut que j'attende. Ou alors que je fasse comme avant, que je retire ma flèche ici. C'est pas ça. Non, bah comment j'avais fait avant? Ensuite, faut que je fasse quoi? Je sais pas, j'avais tiré là, comme ça. J'avais tiré sur le bloc là, donc peut-être juste si je tire sur le bloc. Je vais faire ça à chaque fois. Celui de droite. Voilà, bonne soirée. L'arc. Je sais pas. Hein, on tire là, quoi. Ch'touc, comme ça, là. Ça me semble bien. Non. Aucune idée. Ensuite. Deux fois à droite. Et après, je n'en sais rien. Et hop là. Bonne soirée à vous. Je prends mon arc, je tire là, ça me semble bien, je sais pas. Ensuite, en fait, c'est juste celui-là qui peut pas s'ouvrir. Si j'ai mon truc dedans, ça fait quoi? Alors, qu'est-ce que je peux faire déjà? Pourquoi je peux sauter là directement? Ah, il y a l'auto-jump. Là, je peux continuer jusqu'à où? Là, je peux pas continuer. Ok, on est donc coincé. Tout va bien, on n'a pas de timer et tout. Là, faut juste. Lui, on peut pas l'ouvrir, quoi. Une fois que je suis dedans, ça marche ou. Oh, c'est vraiment ça! Ok, faut pas que j'appuie dessus. Hein. Je suis désolé, c'est pas une bonne idée. Hein. Tout. Ouais. Ok, on va laisser le portail ouvert.
sait jamais ce qui peut se passer. Alors. Je peux, donc là, pour reset, suicide-toi. Ok, donc le truc, ça va être en gros, il va falloir que je me fasse un certain stuff. C'est pas des trappes, déjà, ça ne me semble pas. Si, celui-là, est une trappe. Il y a un bouton, on va pas appuyer dessus pour l'instant. On peut pas les ouvrir. Ok, celui-là, donc il a un bouton. Honnêtement, je pense que c'est pas une bonne idée de sauter dedans. Donc je vais appuyer dessus. Là, si je tire là, hein. Je pense que c'est ça, hein. Je pense. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut juste tirer et se mettre sur le bloc là, je sais pas. Donc. Hop. Hop, 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 hop. Je vais aller dedans. C'est pas une bonne idée, non? Ah, mais j'ai des blocs! Quoi? Mais j'avais pas vu! Mais quand on marche là, ça te donne du stuff! Quoi? Mais comment j'ai eu du stuff? Ah, c'est en appuyant sur le bouton. Quoi? Je sais pas du tout. J'ai eu du stuff, je l'avais pas avant. Ah non, c'est mon arc! Quoi? Je sais pas. En gros, faut que je me fasse par exemple un levier ou un bouton. J'ai aucune idée. Mais il va falloir que je me fasse. Ah! Je vais me faire une pioche ou pas. Une pioche, une hache. Je vais faire une pioche. Ok, on va faire une hache. C'est pas une bonne idée. Une pioche. Une pioche, c'est une meilleure idée. Et on va miner ça. On peut pas. Mais pourquoi? J'ai tiré sur le même bloc que d'habitude. Bon là, le fondateur vient de me dire, ne te mets pas en créatif, ça va faire tout bugger. Donc je l'écoute. Alors en fait, d'après ce que j'ai compris, il suffit juste de tirer sur le bon bouton c'est donc lui apparemment. Voilà. C'est ça, ok, bah en fait, tout à l'heure on est d'accord, je tirais vraiment à côté du bouton en mode aucun respect. Et bah ça marchait quand même. Donc bon, pourquoi pas, hein. Alors. Ah ok, du coup là j'ai mon stuff. Ok, on va donc se faire une hache, ce qui était quand même une bonne idée. Hop. Donc ensuite, hop. 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 Là, on évite ça. Tout va bien, on est vraiment fort. Hop. Hop. Du coup, le dernier bois. On est donc ici, là il y a du jump, mais honnêtement, ça va pas être du vrai jump. Est-ce que c'est un vrai? On va regarder s'il y a une craft barrière. Là, il y a une barrière. Genre devant moi, faut pas que j'y aille. Là aussi, il y a une barrière. Là aussi. Je peux pas y aller en fait. Peut-être où est-ce qu'il y a une barrière? Genre là. Ok, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je suis sur quel bloc? Je suis sur aucun bloc là. Je suis peut-être sur. Je sais pas. Donc là, iron block. Faut que je reste en sneak. Quoi? Et hop là. Ah, mais c'est simple. Et le dernier. Waouh, c'est trop bien. Et genre, je suis censé devoir sauter là en sneak. C'est chaud. C'est chaud. En gros, là, si je suis pas en sneak, vraiment, je perds. Alors, Legends, on fait comme ça. On fait comme ça. On refait comme ça. Et là, je sais pas. Parce que je suis sûr que tout va casser si je m'enlève en sneak. J'ai pas envie de tester en fait. Je peux pas y aller. Ah mais je peux aller là. Alors, touc. Barrière, barrière, ça je sais. Je me mets donc là. Là, je peux donc enlever mon sneak. Et donc. Là, je vois vraiment barrière. Est-ce que je pourrais aller là? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, ça fait 35 000 fois que je le fais. Et je le fais vraiment? Pourquoi? J'ai cliqué sur le bouton. Donc en fait du coup je disais, c'est bien ce que je me disais, c'est pas le bouton là, c'est le bouton en fait qui est en dessous. Voilà. Donc en fait c'est bien ce que je disais depuis le début, mais du coup c'est pour ça que du coup des fois c'est bizarre, parce que vraiment je touchais pas le bouton du dessous. Ou en fait je devais vraiment le toucher en passant dessus. Est-ce que je peux? Non je peux pas, il y a des blocs. Là il y a peut-être un truc. Faut savoir déjà ce bloc là, ça a l'air d'être un faux bloc. Enfin plus ou moins. On va tester autre chose, parce que là apparemment il y a des barrières, ce qui fait que là je devrais pouvoir y aller. Genre là il y a des barrières, genre un truc, genre comme ça, voilà. Et du coup là, je sais pas, ça se trouve c'est pas du tout une bonne idée, là, je sais pas. Quoi? Comment j'ai fait ça? Ah ok, en gros il y a un bloc au-dessus, genre là je peux plus, si, quoi? Ok, bah je vais y aller. Ok, le bouton je suis sûr qu'il va me tuer. Oh, Odor veut dire je veux un diams et je te laisse passer. Donc Odor veut son diams, si j'ai bien compris. Eh Odor,
c'est sûr. Bonjour Odor, je voudrais juste savoir si t'es vraiment si stupide. Oh. Ah. On peut faire un truc. Si je suis en l'air. Là là là. Ah. Oh. J'ai vraiment réussi. Ah. J'ai réussi. Ah. On va enlever le F3 parce que je pense qu'ils vont me dire que c'est de la triche. Merci de me préférer la Dort car je suis un pro. C'est tellement pas ça que je suis sûr qu'il faut faire. Allez, prends-le. Pour la peine, je le garde. Hein. Voilà, et du coup, j'ai un diamant. J'étais pas censé l'avoir. Eh, j'ai un diamant. Y'a quoi dans mon inventaire? Y'a rien, c'est bon. Saute partout, sneak partout. Ça sert à rien. Il m'a dit, regarde la place du diamant. Bah, le diamant, il était là. Parce que du coup, vu que je l'ai miné, je... Ah, y'a une porte là. Attendez. Ça, c'est une fissure, il y a un truc là. Ah, on peut passer, ok, c'est ça. Ah, c'est marrant ça. Fallait creuser la porte de la tombe de Michel. Ah bah heureusement qu'il me le dit. Merci du coup. Quoi? Mais j'ai rien creusé, je suis déjà mort, quoi? C'est bon, en fait c'est quand j'ai cassé ça. D'après ce que j'ai remarqué, c'est quand je mine, quand je casse quelque chose. Pourquoi? Ça va me tuer du coup? Mais s'il vous plaît. Et rebonjour à tous. On est actuellement 3 jours plus tard, je crois, 4 jours plus tard au moins. Souvenez-vous, la map avait bugué, donc bref. J'ai pris une pause de quelques jours et on continue cette map, on va la finir, vous inquiétez pas, la vidéo je pense va être très longue. Du coup j'ai lancé la map, je savais pas combien j'étais de mort, j'en ai mis 102, je devais être un peu moins, je pense que je devais être dans les 80-90. Alors, en gros, le but c'est donc que je... C'est pas que ce soit une bonne idée, si, ok. C'est très long, d'accord, je reste en sneak, hein. On sait jamais, vraiment. Le truc là me inspire pas confiance. Ça non plus, non c'est bon, ok. Michel, on peut pas... C'est lui ou pas? Non, c'est pas lui. Et ça m'a refait le bug de que j'avais avant. Ok, bon, bah on va faire comme ce qu'il m'avait dit, du coup, aller en créatif et tout. Si jamais ça marche pas, enfin voilà. Hein. Bon, du coup, je suis en créatif parce que... Je sais pas pourquoi ça bug vraiment. Pourtant, il m'a dit que ça devait pas bugger, que ça avait pas bugué pour le testeur et tout, même pour lui. Je l'ai fait totalement, j'ai relancé la map, j'ai retéléchargé la map, ça marche pas. Donc du coup, je vais faire ça. Bonjour joueur, notre scientifique a créé une TNT surpuissante qui par coup de flint a explosé dans notre village, on aurait besoin de ton aide. Après cette explosion, tout le monde était mort, même mon pote Michel. Ah, c'est... Surtout un surpuissant est apparu, le TNT Master, son plan s'est détruit. Ok, c'est pas fini. Apparemment, c'est vraiment pas fini. Il y a tout un truc de méchant et tout. Ah déjà, c'est lui qui me parle en fait. Ok. Je te donne cela, c'est l'épée de notre chef, elle est rare. Enfin, imagine la guerre de miner avec les bras croisés. Merci, Notch. Je me remets en game mode adventure, tout va bien. Alors, ce qui se passe, c'est donc... Je suis là. Je suis désolé, mais il y a un truc ici. Faut pas que j'y aille. Ou alors, faut que j'y aille, je sais pas. C'est quoi le truc? C'est faut que j'y aille ou faut que j'y aille pas? Il y a un truc, je suis désolé. Ouais, non, il y a un trou. Je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Est-ce que je peux voir à travers? Ouais, il y a quoi? Il y a rien. Ouais, je suis en train de tricher. Je triche pas. Hein. En vrai, je triche pas. Hein. Juste qu'on peut voir à travers les carpettes. Ouais, donc en fait, il y a 2 blocs de profondeur. Donc c'est pas une bonne idée d'y aller. Je crois que le labyrinthe est infini. Ah non. C'est pas une bonne idée, ça. C'est pas une bonne idée. Donc si j'ai bien compris, le but c'est de faire tout le labyrinthe. En espérant trouver un moment, quelque chose qui me serve. Le problème, c'est que l'ambiance, il est tout fin, il est tout petit. Donc, il n'y a rien à trouver, en fait. Enfin, il y a juste la plaque de pression qui était là-bas, j'ai l'impression. Il n'y a pas grand-chose à trouver. On va faire un truc. Ça s'active pas. Ouais, ça, c'est intelligent. Bonjour. Donc, en gros, faut que j'aille... je sais pas. Oh! Oh! Yes! Il y avait un bouton, je sais pas où... Ok, c'était simple, c'était un petit labyrinthe, tout sympa, c'est pour ça que j'étais en dire c'est super dur, comment je t'ai subi la fait pour faire en 42 morts. Le labyrinthe était simple, 2-3 hein, morts maxi, et on a fini. Pourquoi le vol quand je passe là? Ok, alors, on a des cactus, je pense qu'il ne faut pas les toucher.
Logiquement, pourquoi il y a ça par contre? Et là, j'ai une épée. L'épée va me servir à tuer le méchant. Clic. Non. Pas dommage. Ouais, ça je sais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, on est donc de nouveau là. Hein. Je vais dire. Je me suis mis des checkpoints, voilà, tout simplement. Là, je m'en suis mis un. Hein. Parce que recommencer, ouais, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait depuis le début, je devrais le refaire à chaque fois que je meurs ici. Donc, honnêtement, non, ça fait beaucoup. La map est très très dure, très très longue. Mais elle est très très bien, quoi. Clique, je vais pas envie de cliquer en fait. Non, il y a un bouton, vraiment non. Si je clique sur le panneau, au pire, juste. Non, ils auraient pu. Ah, quand il a dit pourquoi le vol, c'est-à-dire pourquoi ce panneau est en train de voler en fait. Ah, je viens de comprendre, je suis vraiment intelligent. Hein? Genre vraiment? C'était quoi ce bruit? Il y a vraiment un truc là. GL. Bon, tiens, pour copier-coller, pastevin.com était des proutes. Le lien ne marche pas. Je pense que là, donc je devrais utiliser tout ce qui est les sites qu'il m'avait envoyé, hein, je vous le rappelle. Alors, https 2. slash slash http https 2. slash slash www.pastepin p 4f minuscule. C'est dur. Maintenant, je me retrouve sur un truc bizarre. Ok. C'est simple. Donc là, vous ne voyez pas. Du coup, je vais faire en sorte que vous puissiez voir. Ok, voilà. Donc actuellement, donc là, normalement, vous voyez. Je sais pas s'il y a des trucs trop méga confidentiels. Je sais pas. On n'espère pas. Ce que vous voyez, tout simplement, bah, c'est ça en fait. Mais non, mais je veux aller en normal en fait. Là, je suis en morse, je crois. Ah, ok. En gros, là, ça me l'a converti en morse. Je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Là, ça me l'a converti en morse. Et donc après, je vais devoir convertir du morse en normal, apparemment. Ok, en alphabet latin, en morse. Clac, en morse. Ça fait Steve. Qu'est-ce qui pourrait m'aider en Steve? Non, je pense que c'est ça. Non, je pense que c'est ça. J'étais en train de revoir si ça voulait bien dire Steve. Mais en fait, son truc, c'est pas un mot. C'est son code en binaire. Là, bah, c'est des points et des traits. Donc ça veut vraiment rien dire. Et en fait, ça va être du morse. Donc après, je vais devoir convertir le morse. C'est pour ça que ça me semblait un peu long. Mais voilà, donc il y a vraiment marqué Steve. Steve, donc qui est Steve, hein, donc je vois pas le lien. Peut-être qu'il est censé avoir quelqu'un à tuer et c'est censé être Steve, je sais pas. Peut-être qu'il faut que j'écrive Steve là avec E, STE. Non, je sais pas. Pas, je suis mort. Je me suis dit qu'il suffisait peut-être juste de mettre ça que je suis censé avoir. Dans ça, mais je vois pas dans ce cas-là. Peut-être que le Steve il apparaît après, mais c'est bête en fait. Du coup, j'avais pas besoin de convertir, donc non, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Steve. Ah, d'accord, ça m'a mis une enclume sur la tête. Ah, papier. Et là, le papier, je le renomme Steve. Et vu qu'il est marqué pas de majuscule, c'est-à-dire que je le renommais Steve sans majuscule. Et là, le papier, je le mets là-dedans. Yes! Et on dab tous ensemble. Voilà, c'était le bruit d'un dab. Alors, ensuite. Je vais marcher comme ça. Qui me dérange? Non, c'est pas moi. Wardoxy, si ce genre sim is je suis sûr qu'il peut te tuer. Ouais, enfin, je les ai réussi après 300 000 décès, mais t'as fumé quoi, lui, ma patte? Il n'a même pas d'armure. Non, mais j'ai une épée, en fait. Donc, si, j'ai une armure. Allez, maintenant tu vas te taire. Et maintenant, prépare sa tombe et son épitaphe. Donc là, on a donc TNT Master Inu, qui est donc quelqu'un qui m'a l'air quand même d'être très vilain. Logiquement, je devrais pouvoir passer là. Eh, hey, TNT Master Inu, c'est pas la première fois que je 1v1 quelqu'un. T'inquiète pas. Voilà, je l'ai tué. Comment? C'est impossible, bien joué. Je vois une lumière blanche. Ah non, c'est rouge. L'enfer, oui, bien sûr. Pourquoi il y a un. Ah, j'ai gagné! J'ai gagné une golden. Oh, wow, trop bien! Mais du coup, je suis mort en fait. Bon, du coup, j'ai fini. Oui, je me suis mis en créatif parce que. Parce que voilà, hein. C'est fini totalement. Il a rien dit. Merci d'avoir testé ma map. Sub to Wardoxy. Peace!
Voilà, du coup, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu. C'était long quand même. En fait, la map, elle se résume juste ça, mais avec beaucoup d'énigmes. Mais c'est très long. Le fait de devoir tout recommencer à chaque fois, c'est très long. Et donc, la map, elle est là, ok. Oui, parce que elle se reclone à chaque mort. C'est pour ça, du coup, que la mort est un peu longue. C'est parce que ça doit recloner tout. C'est pour ça, je vois. Je vois, je vois. C'est bien pensé. C'est bien fait. Tout est bien fait. Les trolls sont vraiment sympas. La map, bien sûr, est dans la description. Vous pouvez la télécharger. Mais vu que je l'ai déjà fait, c'est un peu débile, mais vous pouvez très bien. Vous pouvez vraiment la télécharger pour je sais pas. Mais ça sert à rien, vu qu'en fait j'ai déjà fait, du coup vous avez les réponses. Vous avez à peu près toutes les réponses. Mais si vous voulez essayer, ça pour dire je t'ai battu, je l'ai fait en deux morts parce que j'avais déjà les réponses. Et bah vous pouvez. Voilà, du coup j'espère vraiment que ça vous aura plu pour voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je pense qu'il n'y a personne. Ou alors peut-être Wardoxy qui reste jusqu'à la fin pour voir comment je vais regarder sa map. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, mettez dans les commentaires. Hashtag 1, 2, 3, Multicore c'est vraiment le meilleur et Wardoxy c'est vraiment pas le meilleur. Comme c'est écrit à l'écran. Oui, c'est long, mais vous pouvez faire ça. Eh, ça fait 5 heures que je vous filme là pour vous. Vous avez intérêt au moins à prendre 30 secondes d'écrire un hashtag. Pourquoi il y a une croix gammée ici? Bonjour, voici mon dromadaire, mon dromylife. Je vais donc vous raconter ma vie en dessin. Je suis donc né le 8 mars 2015. Si tu me crois pas, t'as qu'à regarder sur ma chaîne YouTube, hein, c'est marqué. Je suis né dans les Yvelines, pas très loin de Paris, en plein dans la campagne, au milieu des vaches. Je suis une vache. Alors, apparemment, quand je suis né, en fait, en plus d'être beau, hein, j'avais déjà une caméra dans la main. Très vite, je savais marcher et surtout parler. Ah oui, je peux dire que ça, je parlais beaucoup. Blablabla. Un test de QI m'a permis de savoir que j'avais 512 de QI. Bon, comme le docteur pensait que c'était une erreur, bah finalement, j'en ai que 141, officiellement.